Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'application de téléphone gratuite Lucky Step, une application qui permet de gagner de l'argent, et ceci totalement gratuitement, en marchant. Et donc je vais vous donner des conseils, ça fait 10 jours que j'utilise cette application, je vais vous donner tout plein de conseils et d'astuces et plein d'informations sur comment optimiser au maximum vos gains. À partir de ce que j'ai pu découvrir tout au long de ces 10 jours, je vais vous donner plein d'infos. Je ne sais pas pour l'instant si c'est une arnaque ou pas, parce que je n'ai pas encore eu la possibilité de demander mon argent, mais je vais vous donner plein d'infos. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement à 1 228 508 pièces d'or et pièces, je veux dire, et 10 840 diamants. Donc je veux dire à quoi ça correspond. Donc les amis, déjà, le premier conseil, tous les jours, vous marchez et vous pouvez échanger vos parts contre des pièces d'or, dans la limite à peu près de 36 000 pièces d'or par jour. Donc effectivement, à chaque fois que vous validez vos parts, je crois que c'est de l'ordre de 4 pas, un pas pour 4 pièces d'or. Donc si vous voulez valider vos parts, il faudra le faire plusieurs fois, parce que le maximum à chaque fois à la validation, ça sera 3 800 pièces d'or ou 4 000 pièces d'or. Donc pour arriver à 36 000, il faudra valider plusieurs fois. Mais en tout cas, vous serez obligé de marcher un certain nombre de pas, environ 9 à 10 000 pour valider vos 36 000 pièces d'or. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire chaque jour. Par contre, le petit bémol, c'est que vous le faites en cliquant sur « Obtenez des pièces » en visionnant une publicité, mais malheureusement il n'y a pas des publicités tous les jours. C'est-à-dire que depuis 10 jours à peu près que j'utilise l'application, il y a eu facilement 2 jours où j'ai pas, 2 ou 3 jours où j'ai pas pu valider les pièces. Voilà, donc ça c'est pour information. Ensuite, les amis, ensuite, vous avez vos pièces et vos diamants. Vous pouvez gagner des pièces. Alors, je vous l'ai présenté dans la première vidéo, vous pouvez gagner des pièces dans 3 types de concours différents. Il y a la petite machine à sous, et vous visionnez des publicités, et vous pouvez gagner des pièces. Vous avez aussi la roue. La roue, elle tourne. Alors, la machine à sous, vous avez 5 coups par jour. La roue, vous en avez 8. Et la carte à gratter, vous en avez 10. Et pareil, s'il n'y a pas de publicité disponible dans l'application, moi, ça, sur les 10 jours, il y a eu 3 jours, on va dire, où il n'y a pas eu de publicité, vous ne pouvez pas gagner de bonus supplémentaire de pièces d'or. Pour information, ce que j'ai constaté, c'est que jusqu'à 800 000 pièces d'or, dans les trois jeux comme ça, vous gagnez beaucoup. Vous pouvez gagner 2 000, 3 000 pièces d'or avec les publicités en plus par coup. Passer les 800 000 pièces d'or, là par contre le gain il diminue tout simplement, et là maintenant ça peut être 500 pièces d'or. Alors je me dis que plus je vais approcher, parce qu'il faut arriver à 2 millions pour pouvoir arriver à toucher déjà le premier palier d'argent, je me dis que plus je vais approcher de ce palier et plus ça va diminuer. Mais ça m'a quand même pas empêché en 10 jours d'atteindre 1 228 508 pièces. Alors je vais cliquer dessus, on va aller voir les options. Voilà, donc vous avez aussi des bonus de connexion. Alors, la première semaine, j'avais 1200 pièces à la connexion. Maintenant, je suis à 600, ça diminue, voilà, tout simplement. Vous avez aussi des bonus de récompense quotidienne. Alors, je vais vous les montrer. Ces bonus de récompense quotidienne, c'est quand vous réussissez les tâches du quotidien, faire votre roue chanceuse 8 fois, gratter la carte 10 fois, et le bingo, la machine à sous 5 fois, vous pouvez récupérer des gemmes comme ça. Par contre, ce que j'ai constaté sur les 10 jours, j'ai pas pu récupérer énormément de gemmes, parce qu'il y a eu plein de jours où ça se débloquait pas, tout simplement. Alors je sais pas si c'est une arnaque ou pas, mais effectivement sur les 10 jours, il y a que 6 ou 7 jours où j'ai pu récupérer les gemmes, et pareil, échanger les pièces, c'est le nombre de validations quotidiennes, vous pouvez les récupérer. Donc ça c'est le petit bémol. Ça permet alors de récupérer des gemmes, et les gemmes, je vais vous montrer, j'en ai 10 840. Bon, ça fait une somme de 15 centimes de dollars, donc ça c'est en plus des pièces. Et donc pour 70 000 gemmes, ça me fera 1 dollar. Alors après, je sais pas si c'est à convertir ou à échanger, mais comme vous pouvez le voir, pour 210 000 gemmes, ça fait 3 dollars, c'est-à-dire le triple. Donc il n'y a pas de bonus pour, par exemple, vous voyez, 350 000, 5 dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonus à attendre, c'est-à-dire que quand vous attendez d'autres paliers, 3 dollars, 5 dollars, 10 dollars, vous n'avez pas de bonus. Ça sert à rien, donc autant échanger dès que vous arrivez à 1 $, autant l'échanger, ça sert à rien d'attendre. Je trouve que ça c'est pas très bien fait d'ailleurs, et c'est pas très pour moi professionnel, donc c'est pour ça que j'ai encore un doute de savoir si c'est une arnaque ou pas. Enfin bref, voilà mon état pour les gemmes, et maintenant pour les pièces, on va aller voir. Pour les pièces, alors les pièces, je reviens en arrière, elles sont ici, 1 228 508 pièces, et là, voilà. Si là, pour l'instant, ça m'indique que j'ai dans ma cagnotte en échange 24,57 euros. Je ne sais pas si on voit bien.
Voilà. Cette somme-là, c'est la somme qui correspond aux pièces. Sauf que je peux récupérer, à partir de ce qu'il dit, 40 euros à partir de 2 millions, ça fera 40 euros. Alors, on voit les paliers. On voit 2 millions, 40 euros, 3 millions, 60, 5 millions, 100 euros. En fait, il n'y a pas de bonus dégressif. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'attendre les paliers suivants. Autant récupérer. Alors, je ne sais pas si il faut récupérer au premier palier. Après, vous devez aller la deuxième fois au deuxième palier directement. Je ne sais pas comment ça marche. Ça, et je ne sais pas s'il paye. Vous voyez, vous avez aussi pour Amazon, 40 euros sur Amazon, 2 millions de pièces, 3 millions 60. En fait, il n'y a pas de progression. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un bonus, si vous allez jusqu'à 3 millions, vous gagnez par exemple 65, pas 40, pas 40 plus 20, parce que 1 million, c'est 20 euros à peu près, selon leur logique. Donc en fait, ça vaut presque pas le coup s'ils payent réellement. Ça vaut le coup de récupérer dès que vous avez le palier, parce que vous n'êtes pas sûr après derrière qu'ils vont vous payer réellement les autres fois. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de garantie que ça paye réellement, mais j'ai une belle progression dans le jeu. Le bémol à constater, c'est quand même les bonus qui diminuent. Plus mon stock de pièces augmente, plus les bonus de gains dans les roues et dans les jeux diminuent. Il n'y a que le bonus de caisse par pas de 36 000 par jour qui ne change pas. Donc ça, par contre, vous aurez au moins 36 000 pièces. J'attends de voir pour la suite. Dans le pire des cas, c'est-à-dire qu'en 30 jours, vous avez 1 million de pièces. Tout simplement, je vous fais le rapport. Voilà. Il y a aussi le fait que les publicités, il n'y en a pas tous les jours. Donc vous ne pouvez pas forcément récupérer des bonus de pièces dans les roues et dans les jeux. Vous pouvez les faire pour récupérer les bonus de gemmes, mais bon, ça, il y a aussi le bug que j'ai constaté, c'est que il y a des bugs où certains jours, vous n'avez pas la possibilité de récupérer vos bonus de gemmes. Donc ça, c'est dommage. À noter que vous avez des bonus supplémentaires à la connexion chaque jour, et aussi des fois de temps en temps, quand il y a des publicités, ils vous disent si vous vous connectez à l'application, vous gagnez 1 000 pièces en plus. Donc ça peut vous faire des petits bonus en plus. Après, vous avez aussi des bonus de possibilités que je n'ai pas encore testées de gagner avec des applications. Vous pouvez obtenir des diamants, je pense, en jouant à des applications ou à des jeux. Donc voilà, les amis, pour l'instant, je n'ai pas encore testé ça. Ça fait 10 jours que j'utilise cette application. J'ai énormément progressé. J'espère vous avoir donné un maximum de conseils dans cette vidéo. Et j'espère vous faire une vidéo, une bonne nouvelle de vidéo dans 2 ou 3 semaines, et pas une vidéo où je stipulerai que c'est une arnaque définitive à classer dans les arnaques. À ce moment-là, je mettrai toutes mes vidéos concernant Lucky Step dans les arnaques. Mais en tout cas, j'espère vous donner une bonne nouvelle. Je referai une vidéo avec dès que j'aurai dépassé les 2 millions de pièces, tout simplement pour voir ce que ça donne et pour vous tenir au courant. Voilà. Pour l'instant, donc, j'en suis à 1 228 508 pièces d'or en à peu près 10 jours. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.